Les gars, avant de commencer la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, parce que je suis tellement teubé que je dis toutes les infos liées à la chaîne à la fin de la vidéo. Et merci d'avoir, enfin merci de regarder et bonne vidéo. Salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter les premiers modes de Farming Simulator 22. Vas-y, on commence tout de suite. À savoir, là j'ai 100 000 balles. Je vais vous donner une petite... Enfin, c'est le premier mode, donc c'était le premier mode à la sortie du jeu. Je vais vous faire voir tout de suite. On va dans l'onglet par le pavé tactile sur PS5, sur PS4 aussi, je pense. Dans construction, dans production, générateur, et là, tout à la fin, subvention municipale et subvention gouvernementale. C'est les deux mêmes, sauf qu'il y en a un qui rapporte 350 par heure, et l'autre 350 par heure. Donc à vous de voir lequel vous voulez placer. Je vais vous placer le gouvernemental pour vous faire voir. Vous le placez bah, dans un terrain où vous avez acheté, hein, bien sûr. Vous le placez n'importe où vous voulez. Je vais en mettre 3, comme ça ira vite. Voilà, vous faites retour. Là, vous voyez qu'ils sont placés. Les verts, c'est 350 et par heure, et eux, c'est 350 000 par heure. Du coup, je vais avancer le temps pour vous faire voir. Échelle du temps. 320. Hop. Vous allez voir, dès qu'on est passé à 9 h, vous allez voir la tonne d'argent que je vais recevoir. En haut à droite. Ça, c'est juste bien pour vos parties cheatées. Je voulais faire une partie cheatée. Regardez, 1 150 000. Et ça, jusqu'à 950 milliards, enfin, 999 milliards, je crois, ou 999 millions. Bon, c'est pas tout. On va faire d'autres modes. Je vais acheter tout ça. Bah, regardez, là, il y a un onglet. C'est à nouveau ça, mode et DLC. C'est tout ça à vous présenter. Enfin, tout ça. Pour au début, c'est déjà pas mal, quoi. Je vous rappelle que je tourne le 22 novembre à... Enfin, maintenant, on est le 23 parce qu'il est 3 h 19 du matin. J'arrive pas à dormir et je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça. J'ai trop envie de jouer à ce jeu. Il me hype à fond. Bon. Petit tracteur. J'arrête de raconter ma vie. Hop. Voilà. Je vais vous faire voir un peu les... Voilà, il y a différentes... Bon, on va le prendre en... Wederstein. Voilà, petit tracteur. Il y a celui-là. Tracteur moyen. Il y a le casse Magnum. Pareil, marque de pneus, j'en passe. Configuration du moteur. Par contre, vous voyez, c'est 45 000 balles en plus pour la plus grosse, le plus gros moteur. Là, grand tracteur, je sais pas s'il y a. Non, non, grand tracteur, il n'y a pas. Moissonneuse, il y a la classe Dominator, peu pareil. Ça, je vous passe vite fait, mais il y a l'apparence qui change. Ah ouais, c'est les trucs de sécurité sur le devant. Couleur du châssis. Ah merde, attends. Couleur du châssis. Ah, c'est en dessous. Ouais, en même temps, châssis, ouais, je suis bête. Bon, j'achète ça. En silos, il n'y a rien.
Du coup, dans barre de coupe, il doit y avoir quelque chose. Chargeur sur pneu, il y en a un. Voilà. New Holland W190D. Pareil. Ah, rouge jumelé. Ah, mais qu'à l'avant, ça fait bizarre. Ah, je trouve que à l'avant, ça fait chelou. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre divers, non? Il y a une benne. Ouais, il y a une benne. Ben, un remorque à grains. Voilà. Ah. Bah, ah, remorque. Je suis bête. Bon, petite, la benne. Ah, pour charger les balles, c'est bien ça. Ah, c'est mieux. Voilà, si vous voulez une remorque, à part celle de base, il y en a une là, les gars. Ouais, on peut mettre une bâche, configuration des roues, soit je les passe. C'est similairement... chaque fois pareil, quoi. J'achète. Voilà. Je vais regarder dans l'onglet mode si j'ai rien oublié. Ah si, il y a le Semwar. Vanderstad Spirit 300S. Le Semwar, voilà. Bon, il n'y a pas de config à faire. J'achète. Vous voyez là? Il est 17h30. Et j'ai 9 millions d'euros avec ce mode de subvention gouvernementale. Par contre, je vais juste remettre en temps réel. Voilà, c'est mieux. Bon, on commence par celui-là, vu que je vais avancer un peu. Je vous fais le tour vite fait, je vous laisse apprécier le bruit. Voilà, on peut passer à autre chose, les gars. Comme par hasard, je remonte dans le même. Attendez, je vais juste mettre démarrage du moteur. Pas en... automatique. C'est où? Ah merde. Désolé, c'est un peu long. Que je me fais avec les touches aussi. Ah, voilà. Non. Voilà. Pas mal, ce petit mode. Bon. Ça, oui. Tout ça, là. Tous les véhicules, là, de toute façon, c'est des reconversions. Ils étaient tous dans le FS19. Mais on les avait pas de base dans le 22. Donc, c'est cool qu'ils nous l'ont mis, quoi. Le petit Fiat 1300 RT dans DT. Écoutez le bruit. Ah, pas mal. Pas mal. Voilà pour le petit Fiat. Merde.
Maintenant la moissonneuse, la dominator, la classe. Pas mal, vu l'extérieur, pas mal. De toute façon, c'est similaire au 19, mais avec quelques petites améliorations comme le bruit, je pense, et les passages de rapport. Ah, les gyros, ça change tout quand même. Et vous entendez les bruits des vérins et tout quand ça s'ouvre. Ça déchire. Voilà pour la petite batteuse. Normalement, attendez, je vais regarder. Mais normalement, il y a la coupe, la barre de coupe qui va avec. Ouais, voilà. Après, je vous la passe, hein, la barre de coupe. C'est une barre de coupe comme celle de base hein, dans le jeu. Donc, je vous passe la barre de coupe. Ah, le petit classe, KZH. Pas mal. On met les gyros. Je fais le tour vite fait. C'est pas pour faire une vidéo trop longue. Pas mal modélisé, j'aime bien. Ah, quand on freine, il remet le... Ah, c'est bien, j'adore. Et ben voilà, les amis. C'est fini pour la petite présentation de mode. Ah, attendez, il faut que... Quand même que je vous présente la benne, c'est le savoir. La benne et le savoir, on va pas les oublier quand même. Pêcher cette radio, chaque fois je l'active sans faire exprès. Bon, Ben, classique. Classique. Pas mal, mais bon, sans plus, quoi. Et le semoir. Ah d'accord. Ah ça c'est bien ça. C'est beau l'animation de plier. Pas mal. Descendre. Le savoir est pas mal. Bon la benne, on va pas se mentir, c'est un peu moche. C'est un peu moche. Bon bah voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager, tout ça. Et je suis en live à peu près tous les jours. Enfin, je suis tous les jours en live de toute façon, mais pas tous les jours sur le même jeu. Mais farming, je pense faire des lives tous les jours l'après-midi. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de planning. Mais en tout cas, si vous me voyez en live, venez me faire un petit coucou, ça me ferait plaisir. Bon, je vous dis à la prochaine les gars, et j'espère en live bientôt.